sommes ici sur une sortie à Guiry-en-Vexin, une sortie qui est financée par le conseil départemental du 95 et qui va nous permettre d'aller visiter un espace naturel sensible, propriété du département et qui s'appelle le Bois de Morval. L'association a été créée sur deux constats en fait. C'est les bienfaits que procurent la nature et les espaces naturels partagés par tous, d'une part. Le constat qu'un certain nombre de personnes sont empêchées d'y avoir accès en raison de leurs problématiques liées à leur mobilité, que ce soit dû à handicap ou à l'âge, et qu'il ne nous paraissait pas juste que ces personnes-là, qui en fait ont le plus besoin que d'autres de bénéficier de ce plein air pour des bienfaits pour la santé, pour leurs activités conviviales et sociales, en soient éloignées. Je vous présente Lisette, mon compagnon de route, ou plutôt ma compagnonne, parce que c'est une ânesse. Avec mon mari, nous sommes guides dans le Vexin français et nous travaillons avec des ânes, donc nous sommes âniers. L'intérêt de travailler avec l'association, c'est de pouvoir proposer des sorties adaptées et qui soient des vraies randonnées en liberté avec des personnes à mobilité réduite. Le partenariat s'est construit sous la forme d'une rencontre, puisque nous, avec nos ânes, on était sur des sorties ou des manifestations, ils étaient aussi. On a trouvé qu'il était intéressant de travailler ensemble. L'âne amène sur les sorties que peut proposer Escapade un rythme, un cadre et un animal qui est intéressant aussi en médiation. L'idée, c'est qu'on arrive progressivement à développer l'utilisation des modules sur le territoire. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir mixer les publics, donc de permettre à des valides et notamment à des enfants d'aller à la rencontre des publics à mobilité réduite ou présentant différents types de handicap. Avec mon mari, nous avons décidé de transformer notre étable en salle de réception. Nous avons connu M. Daniel Fricot tout simplement par le parc, parce que j'ai dit au parc que je voulais recevoir des personnes handicapées en semaine pour avoir la salle de réception en week-end. Nous avons créé des petits jardins à hauteur, donc ces personnes-là, j'aimerais qu'elles viennent faire du jardin toutes les semaines, pendant la belle période bien sûr. Comme ça, les gens viendraient pour semer, cultiver et récolter après les petits légumes. Et après, avec l'association OLM, on aimerait peut-être recevoir les gens pour un bivouac, pour traverser tout le Vexin et avoir un point ici pour s'arrêter. Cette journée s'est super bien passée. Premier abord, ça fait un petit peu peur de voir les engins, les autres aussi, puis surtout la prise en main de l'appareil. Par contre, le plus intéressant, c'est surtout la balade, l'environnement qui était magnifique. Il faut vraiment en réserver, vraiment à l'avance. Donc il faudrait le développer même un petit peu partout. Sur les territoires où nous souhaitons évoluer, il y a toute une phase de diagnostic, d'implantation, d'études de faisabilité, pour repérer les lieux intéressants pour les publics, repérer les partenaires qui vont pouvoir produire des thématiques d'accompagnement. Pour que l'accès à la pleine nature ait lieu, il faut avoir un lieu accueillant, c'est-à-dire il faut être autorisé à circuler, il faut que les lieux soient ouverts au public, il faut du matériel à disposition, mis à disposition des publics qu'on va accueillir. Il faut également de l'accompagnement humain pour permettre d'intervenir là où les technologies sont insuffisantes ou mal adaptées.